sais, Pete. Ce labo dispose de mangeoires pour attirer les oiseaux et analyser leurs fientes. Ouais, j'ai fait un master de gestion pour analyser du caca d'oiseaux. Bon, plus sérieusement, tu sais sûrement qu'ils sont porteurs de maladies et nous devons nous assurer qu'ils ne posent aucun risque. J'avoue que j'aimerais être là pour profiter de ton humour scatologique. Oh non. Les pigeons sont porteurs d'une souche virulente de grippe aviaire. Et elle a déjà muté pour atteindre une forme qui peut infecter les humains. Ok. Il y a tout ce qu'il faut dans le labo d'Harry pour développer un vaccin. Je dois agir vite, ou les pigeons risquent d'infecter la ville entière. L'idéal serait de le diffuser à 3 points de migration importants. Et je sais déjà où il se trouve grâce à cette station. Le premier point de migration se trouve dans un parc. Les oiseaux devraient pouvoir propager le vaccin entre eux. Les pigeons ont accepté que je m'incruste dans leur milieu naturel. Je leur dois bien ça. Je suis sûr que les Avengers n'ont jamais une mission avec défiance. Diffuse dans l'air. Il suffit de le vaporiser dans les arbres. Ok, un de fait. Il en reste deux. Les vérisations sont inoffensives pour les humains et les animaux. Et soigneront les pigeons. Ou les transformeront en zombies. Et encore un. Je me demande ce que Jameson va encore inventer. J'imagine bien Spider-Man empoisonne l'atmosphère ou un truc comme ça. J'adore aider les animaux. Ils ne traitent pas de danger public et ils ne tirent pas dessus. Est-ce que ça serait vraiment exagéré si j'ajoutais vétérinaire à mon CV? Bon, ça devrait faire effet rapidement. Je vais contrôler quelques pigeons pour en être sûr. Marché. Pas un seul pigeon zombie. Nikola Tesla nourrissait les pigeons ici. Comme la mère d'Harry. Je lui en aurais bien parlé, mais il répond ni aux appels, ni aux SMS. C'est cliché, hein.